Salut les barbus! Bon, j'espère que ça va pour vous. Moi, ça va impeccable. Aujourd'hui, les mecs, on se retrouve pour la vidéo tant attendue par beaucoup d'abonnés et d'autres personnes qui ne sont pas abonnées. Je sais pas ce que vous attendez, les mecs, mais n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous, hein, et activer la petite cloche pour être notifié à chaque vidéo que je sors. Mais aujourd'hui, les gars, on va parler de coffret viking de chez Max Barber. Les gars, j'arrive à mon test de 2 mois et 2 semaines. C'est-à-dire qu'il me reste plus que 2 semaines et j'aurai fini le test du coffret viking de chez Max Barber. Ça fera exactement 3 mois que je teste ce sérum activateur pour la pousse de barbe. Donc franchement les gars, quoi dire de plus à part que c'est le feu. Alors, tout simplement les gars, ça fonctionne. Donc n'hésitez pas, si vous voulez vous faire kiffer, faites-vous kiffer avec le petit coffret là de chez Max Barber. Franchement, c'est vraiment le top pour avoir une pousse de barbe plus rapide, pour avoir de la densité et pour que ton poil devienne plus mature. Bah voilà, t'as tout là-dedans. Donc je fais de la pub, oui, parce que ça fonctionne et j'en suis super content. Donc voilà pourquoi j'en fais la pub, parce que c'est vraiment le feu pour moi. Alors, aujourd'hui les gars, je vais vous faire une petite révélation. Je vais tester le sérum pousse de barbe. Pour les 2 semaines restantes, je vais le tester 2 fois par jour. C'est-à-dire que je vais le mettre le matin et je vais le mettre l'après-midi pour voir si mes gains vont être encore plus optimisés. Et là, on verra bien ce que ça donne. Alors, vous avez été beaucoup à me demander sur les réseaux, mes réseaux personnels. Donc, les liens, pareil, dans la description, si ce n'est pas encore fait, il y a mon Insta, il y a mon groupe Facebook ainsi que mon Snapchat. Donc, à pas hésiter, les mecs, il faut aller me donner la force et c'est comme ça qu'on va réussir à monter la communauté Yola Barbe encore plus haut et encore plus loin. Donc, je compte sur vous. Mais les gars, je vais tester, comme je vous ai dit, 2 fois par jour à la place de 1 fois par jour. Par contre, en ce qui concerne le petit bird roller, donc le petit bird roller, je vais continuer à le faire 3 fois par semaine, pas plus, parce que ça arrache tout simplement. Voilà, franchement, ceux-là, les bird rollers de chez Max Barber, c'est pas du derma roller qu'on peut choper sur des sites internet comme Amazon, etc. C'est vraiment le top du top au niveau des aiguilles. Ça pique vraiment très très bien. Ça fait vraiment des très belles micro-incisions. Et voilà, on est vraiment sur de la top qualité. Donc, à pas hésiter. Mais 3 fois par semaine, c'est largement suffisant parce que je l'ai fait il y a 2 jours. Franchement, les gars, je m'en souviens encore. Donc, 3 fois par semaine, c'est vraiment suffisant. Des personnes m'ont demandé, est-ce que c'est normal que quand j'applique le sérum activateur et que j'ai fait le bird roller avant, est-ce que c'est normal que ça me pique? Oui, c'est tout à fait normal. C'est tout simplement parce que quand tu as fait les micro-incisions et après tu mets un produit, que ce soit même une crème hydratante ou quoi que ce soit, c'est ta peau qui réagit comme ça. Donc, c'est tout à fait normal. Il n'y a pas de souci à se faire de ce côté-là. Voilà, mais franchement les gars, là j'ai décidé de d'essayer de voir déjà, parce que vous avez été beaucoup à me demander, ouais You, est-ce que tu pourrais pas voir si en mettant 2 fois par jour comme le Minox, on aurait plus de gains. Donc bah on va tester. De toute façon, moi je suis chaud pour tester tout. Donc là il reste 2 semaines exactement pour faire 3 mois comme je vous ai dit. Et voilà, on verra bien. Alors aujourd'hui, je vais pas vous faire une évolution de ma barbe de près. Ça sert à rien, tout simplement parce que j'ai raccourci ma barbe il y a maintenant 2 semaines, parce que j'avais une obligation entre guillemets d'être vraiment carré sur mon visage, d'être nickel. Donc voilà pourquoi. Mais une chose est sûre, c'est que je ne perds pas de gains. Mis à part quand je me brosse comme un barbu normal, les mecs, hein, bah, ça, de toute façon, tout barbu perd 2-3 poils quand il se brosse. Mais autrement, je n'ai vraiment pas de perte de poils. Alors, il y en a qui vont me dire, ouais, mais c'est plus clairsemé, c'est tout à fait normal. J'ai essayé de me faire un petit dégradé de pâte tout seul. Je me suis fait voilà vraiment la ligne du cou bien nickel. Si vous pouvez voir, hein, voilà, c'est vraiment bien nickel à part le trou que j'ai là. Mais bon, comme je vous dis, malheureusement, c'est comme ça. J'ai raccourci un peu la moustache et mes commissures. Et au niveau du bouc, c'est pareil. J'ai essayé de tout harmoniser nickel.
Mais voilà, je vous montre comme ça. Mais par contre, dans 2 semaines, pour la transformation finale, on va dire, avec l'activateur là, de chez Max Barber, bah franchement, les gars, on verra une barbe de près et ça sera vraiment l'évolution finale avec le coffret Viking. Et je peux vous dire tout de suite que ça va être juste dingue. Voilà. Alors, d'autres personnes m'ont dit, c'est vrai qu'au niveau du prix, yo, c'est un petit peu cher et tout. Bah ouais, je sais que de toute façon, tous les produits qui fonctionnent sont onéreux. Maintenant, je force personne, comme je dis, je force personne à acheter les produits de chez Max Barber. Mais si vous voulez du résultat, vaut mieux gaspiller de l'argent dans les produits de chez Max Barber parce qu'on sait que ça fonctionne, que gaspiller de l'argent dans différents produits activateurs de pouces de barbe qui vont vous coûter 2, 3, 4, 10 euros par-ci, par-là. Et au final, mis bout à bout, eh ben, vous allez avoir la somme pour pouvoir acheter le coffret. Et voilà, donc beaucoup de personnes me disent, c'est vrai que c'est assez onéreux et tout. Moi, je trouve pas que ça soit vraiment très, très, très cher. Mais voilà, après, dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut une barbe bien fournie et boucher, combler les trous et tout ça, eh ben, on n'a pas le choix de mettre un petit peu d'argent pour le faire. Autrement, si tu veux vraiment avoir une barbe directe, complète, sans attendre ou rien du tout, eh ben, je te conseille tout simplement d'aller faire une greffe de barbe où tu veux et voilà. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont commencé à me dire « Ouais, yo, c'est pas le produit de chez Max Barber qui t'a donné la barbe, c'est le minoxidil. » Les gars, oui, le minoxidil m'a donné ma barbe. Jamais je cracherai sur le minoxidil. Je tenais à mettre ça au clair. Jamais je cracherai sur le minoxidil. Mais il faut savoir que quand j'ai arrêté le traitement du minoxidil, j'avais quelques petites pertes de poils et le produit de chez Max Barber, le sérum activateur de chez Max Barber, eh ben pour moi m'a vraiment aidé à ne plus perdre ces fameux poils. Et comme vous voyez bien, maintenant j'ai une barbe qui est quasiment complète, clairsemée certes, mais quasiment complète. Et c'est pour ça que je vais essayer d'optimiser mes résultats en faisant 2 fois par jour à la place d'une fois par jour. Je sais même pas ce que ça va faire, hein. Après, on verra bien, mais en tout cas, vu qu'on m'a demandé, eh ben, je vais vous tester ça. Et puis, bah, on verra bien dans 2 semaines pour la vidéo finale avec le sérum de chez Max Barber. Et puis voilà. Et puis après, il faut savoir une chose, comme je dis tout le temps, il y a le coffret Viking, bien sûr, le Bird Roller du coffret Viking. Il faut pas oublier de se brosser la barbe matin, midi, soir, après-midi. Moi, vous voyez, j'ai une petite brosse comme ça de voyage. Ça, je la mets dans ma sacoche et je me brosse la barbe dans ma bagnole ou quoi, tout le temps. Et c'est vrai que ça permet de faire une micro-circulation sanguine et de faire favoriser la pousse de ton poil. En plus de ça, tu as une barbe qui est vraiment bien lisse et en plus, tu n'auras pas de nœuds et tout ça. Donc, c'est vraiment un tout, c'est très important. L'hygiène de vie est très importante, le sport est très important. Voilà, tout est très important au niveau de la santé pour avoir une belle barbe saine et des poils sains. Voilà. Donc, une autre petite question qu'on m'avait posée. Est-ce qu'avec le sérum activateur de chez Max Barber, on peut avoir une barbe si on est imberbe? Non. Voilà. Non, on ne peut pas avoir une barbe avec le sérum activateur de chez Max Barber, tout simplement parce que ce n'est pas une greffe de barbe ou du minoxidil qui va, lui, vraiment aller chercher en profondeur pour réveiller ton follicule pileux. Ok? Les choses sont dites. Les mecs, j'espère que la petite vidéo vous aura plu. Moi, comme d'habitude, c'est toujours un réel plaisir de vous faire des vidéos. Donc, du coup, les gars, on se retrouve dans 2 semaines pour l'évolution finale. 3 mois avec le coffret de chez Max Barber. Et je peux vous dire que je suis pas prêt d'arrêter les produits de chez Max Barber parce qu'ils en ont tout un panel. Et même si j'arrête le coffret Viking après, je vous en dis pas plus, mais je pense que je reviendrai en force avec d'autres produits de chez eux, tout simplement parce que pour moi, c'est le feu comme Inferno. Voilà, c'est vraiment le top du top. Donc, n'hésitez pas. C'est un petit peu onéreux, comme on me l'a dit, mais par contre, ça fonctionne.
Les gars, moi je vais vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis bonne barbe à tous et on se retrouve dans 2 semaines pour l'évolution finale. Activateur de pouce de chez Max Barber. Allez, bisous mes barbus.